Que cherchez-vous ? Vous avez dit qu'ils nous ignoreraient. Tant que vous ne les contrariez pas, et vous les avez contrariés, faites plus attention. Eh ben super, très bonne approche. De toute évidence, les autres Automas n'ont pas apprécié que l'on s'empare de la main de leur congénère. C'est dommage, mais cela ne doit pas nous arrêter pour autant. La main devrait activer une console dans le dépôt. Sauf erreur de ma part, il contient un objet au potentiel considérable. Une fois que vous l'aurez en votre possession, je vous conduirai en un endroit d'où vous pourrez contacter vos alliés. Restez en arrière, qu'en dites-vous? Pour moi, tu m'as pas l'air très net. Il me fait penser à... Il me fait penser à quelqu'un. Il me fait penser à un autre robot, mais j'arrive pas à mettre le doigt dessus. Il me fait penser à quelque chose, mais j'arrive pas à mettre la main dessus. Ah, j'y suis, ça y est. Vaguement. Il ressemble à... à Brizarios dans... Appleseed. Si vous connaissez Appleseed, il me fait un peu penser à ça, je sais pas pourquoi. C'est... Même si, non, en fait, il ressemble pas trop. Mais je sais pas pourquoi, je... Brizarios, ouais, c'est ça. Dans Appleseed. Si vous avez jamais vu les deux films Appleseed, je vous les recommande. Il y a aussi une série, mais qui est pas ouf. Mais les films Appleseed, je vous les recommande. Appleseed comme graines de pomme. Voilà. Depuis que je suis en Zereth Mortis, je mets au point un point d'honneur à ne pas déranger les Automas. Jusqu'à aujourd'hui, c'est à peine s'ils ont remarqué ma présence. Cela étant dit, il semblerait que les événements récents aient changé la donne. Je le dis et je le répète, je n'ai aucune envie de nuire aux créations des fondateurs. Mais si les exigences de votre mission aboutissent à un conflit avec les Automas, il faut nous assurer que ce ne soit pas pour rien. L'étude des fragments d'Automas défunts nous fournira peut-être des renseignements utiles contre les autres liges. Soyez prudents. Ces contrées regorgent de mystères infinis. Oh merde. Les recherches ne sont jamais terminées. Sérieusement ? Ah d'accord, puis en plus ça loot même pas à chaque fois. Super!
Allégé. Non, il est. Il est là-bas, visiblement. Je sais pas pourquoi je le sens pas, ce Gugus. Ce doit être C'est verrouillé. Le dépôt. Décentre l'IG. Attention. Mes montures répondent ici. C'est déjà ça. Ah, vous revoilà. Je présume que vous avez réussi. Vous interrompez mes recherches. Oh bah si... Si on t'emmerde, tu le dis? Excusez-moi. Faut que je m'étire et il ne nous reste plus qu'une heure de tournage. Juste, je... Alors, je ne m'attendais pas à rencontrer un mortel en chair et en os flanqué d'un Kyrian, mais votre aide s'est avérée précieuse. Avant de m'attaquer à l'étude de ce noyau, je vais vous conduire au refuge, la colonie fondée par mon expédition à notre arrivée. Si mes collègues ont jugé bon de me bannir, pour avoir bafoué le dogme des éclairés, je ne souhaite pas pour autant que le geôlier anéantisse ce sanctuaire. Aidez-les et ils vous aideront à leur tour à rejoindre vos alliés. Donnant, donnant, telle est la devise des négociants. Quittez le dépôt de la Genèse. Ok. Venez. Mon fidèle Vombatar va vous conduire à bon port. Eh ouais, je pense à un truc là. Mais là, je peux pas quitter cet endroit en fait. Les fondateurs, vous les avez déjà vus?
Hélas, non. Ils ne sont plus là depuis longtemps. Peut-être sommeillent-ils dans le sépulcre s'ils ne sont pas partis ailleurs. Le sépulcre abrite des secrets permettant de refaçonner tout le cosmos. Le geôlier ne doit surtout pas y accéder. Je crains qu'il ne soit déjà trop tard. Regardez, les entrelises attaquent le refuge. Je percerai leur secret. C'est ici que nos chemins se séparent. Le refuge est droit devant, et mes anciens frères avec. Nous sommes en froid, mais ce n'est pas une raison pour laisser l'ennemi détruire ce sanctuaire. Les fondateurs vous guident, mortels. Je suis tout oui. Ah non, c'est moi qui t'écoute. Il est vrai que Firim nous a brossé un tableau peu flatteur de ses négociants éclairés. Il nous faut bien reconnaître que c'est un drôle d'oiseau. Quoi qu'il en soit, et si nous voulons renouer le contact avec nos camarades à Auribos et vaincre le geôlier, nous allons avoir besoin d'alliés en Zereth Mortis. Les entreliges se rassemblent devant les portes du refuge et les manigances du geôlier ont déjà fait bien assez de victimes. Reste à espérer que les éclairés daignent accepter notre aide. Après vous, mon ami, entrez dans le refuge et faites connaissance avec les éclairés. Les étrangers ont traversé nos boucliers. Ah, un piège! Ce sont peut-être des agents de l'Anse. Conduisez-les auprès des anciens. Qu'est-ce que c'est? Les ténèbres du geôlier? Ces troupes assiègent le refuge! Mais non, on se calme. Nous sommes de votre côté. Je suis Pélagos, du Bastion. Et voici l'âme sans entrave. L'âme sans entrave? Impossible! Ce n'est qu'un leurre destiné à nous faire baisser notre garde. Puisque vous prétendez être des ennemis de l'antre, prouvez-le en repoussant ces monstres. En quoi puis-je vous aider? Alors nous parlons, les entreliges se massent à nos portes dans la ferme intention d'envahir notre sanctuaire. Les éclairés ne demandent qu'à honorer en paix les prodiges des fondateurs et la barrière du refuge n'est là que pour nous protéger des menaces mineures. Pas une seule seconde, nous n'avions imaginé que le geôlier enverrait ses troupes nous assiéger. Nous qui, vous qui prétendez être notre allié, aidez-nous donc à défendre cette terre sacrée. Éliminez 13 entreliges dans le Grand Vled. Au revoir. Oui. Des entreliges ont en leur possession des armes terribles qui concentre la magie des ténèbres afin d'enfoncer nos portes. La barrière défensive qui ceint le refuge ne résistera pas bien longtemps et alors l'ennemi aura tôt fait d'anéantir tout ce que nous incarnons et tout ce qui nous est cher.
Si vous êtes vraiment ce que vous prétendez être, prouvez-le en détruisant leur arsenal et en nous aidant à protéger notre sanctuaire. Je prie les fondateurs pour que vous réussissiez. Anéantissez 4 destructeurs de l'art. Les Saintes Écritures annonçaient l'avènement d'une force obscure. Et le jour qui est arrivé, pensez-vous qu'elle se trompe au sujet de l'âme sans entrave? C'est impossible. Nous commençons à peine à comprendre les cryptogrammes. Ne succombez pas aux mêmes lubies que Firim l'infidèle. Ancien Kress, les cryptogrammes évoquent des créatures vivantes venant au secours de l'ombre terre. Peut-être s'agit-il vraiment d'une âme sans entrave. Loin de moi l'idée de contester les prophéties des progéniteurs, mais cette âme mortelle et son compagnon Kyrian doivent d'abord prouver leur bonne foi. Eh bien, soit. Bonne chance dans vos aventures. C'est par ça. Voilà, ça en fait déjà 3 sur 12. Je suis hors de portée.
Merde. Ça c'était pas prévu. Bon, il m'en reste deux à tuer, hein, je sais. Raté. Cherchez-vous des réponses ou la vérité? Vous pouvez parler. Je serai là quand vous aurez encore besoin de moi. Ils sont trop nombreux. Nos défenses ne tiendront pas. Donc on a raté énormément de choses. Y a beaucoup de cinématiques qu'on a raté, ce qui est très con. On les aura peut-être plus tard, hein. On rattrapera peut-être le retard avec les quêtes du coup qui sont pas scriptées. Et pour faire simple, on a toute la partie avec Sylvanas, tout ça, on l'a pas vu du coup. Et donc le fait que elle s'est rebellée contre le geôlier, enfin tout ça, on l'a pas malheureusement.
Bref, si vous voulez avoir plus de lore, je vous recommande d'aller voir les sur YouTube. Il y a toutes les cinématiques hein, sur YouTube pour comprendre un petit peu le lore. Quoi qu'il en soit, on va continuer l'aventure, nous, un autre côté, il n'y a pas de souci. Le geôlier a battu le rappel de ses troupes. Je devrais être soulagé, mais je crains qu'il n'ait trouvé un moyen d'accéder au sépulcre. N'en déplaise à Kiret, vous nous avez prouvé votre bonne foi et nous avons désespérément besoin d'alliés de votre trempe. Quand notre expédition est arrivée en Zeren Mortis, nous avons découvert une pierre d'accès en sommeil. À en croire à les prophéties, seule une âme sans entrave est en mesure de l'activer. Nous allons bientôt pouvoir vérifier vos dires. Si vos alliés ont les moyens de sauver ce sanctuaire, nous devons à tout prix leur ouvrir nos portes. Suivez-moi, je vous prie. Suivez-moi. Je vais vous montrer la pierre d'accès. Selon les Saintes Écritures, les fondateurs ont placé des pierres d'accès en certains lieux importants en prévision du jour où elles seraient nécessaires. Ces pierres ne répondraient qu'à certains mortels, ceux appelés à sauver les royaumes de la mort, les sans-entraves. Que la prophétie soit accomplie. Oui, ben on connaît ce genre de pierres, hein. Si telle est la volonté des fondateurs, la pierre d'accès s'ouvrira à vous, mortel. Bien, et ben c'est parti. Et donc on va pouvoir revenir sans problème. On va pouvoir aller et venir sans problème dans ce territoire du coup. Donc moi, ce qui m'arrange, hein, je vais pouvoir aller retourner farmer un petit peu les donjons, essayer de récupérer les 500 000 pièces qui me manquent. Bah, allez, c'est quoi? Ouais, il me faudra peut-être 4 ou 5 mois encore pour avoir 500 000 pièces d'or. Je récupère à peu près 100 000 pièces d'or par mois. C'est à peu près la recette que j'arrive à faire. Cérès Mortis. Entrons dans le vif du sujet. Il faut sauver Anduin et empêcher le geôlier de remodeler la réalité à sa terrible image. Je suis soulagé de voir que vous avez survécu à votre passage en Cérès Mortis. Ça va, c'était plutôt chill en vrai. À en croire le récit que Pélagos a fait à Cléa, votre périple n'a pas été de tout repos. Waouh, vous l'avez vu pire. Les négociants éclairés pourraient s'avérer plus de précieux alliés. Leur connaissance des automas et de leurs environnements nous aidera. Dans notre lutte contre le geôlier, nos troupes sont fin prêtes à vous suivre en Zeren Mortis. La bataille finale approche. MDG Normand, parlez à l'ancien Cref en Zeren Mortis. On obtient en récompense
du stuff pas dégueulasse. Vous pourrez choisir une de ces récompenses. Ah, alors on a quoi? Un bâton. Ok. Oui, bon, en fait, ce qu'il faut prendre, c'est le bâton. Le bâton niveau d'objet 226. Plus 70 d'endurance, plus 133 de d'intelligence. 13 de hâte, on s'en fiche un peu, mais plus 22 de polyvalence, c'est pas dégueulasse non plus. Et ainsi que toi d'anima, usez, vous transférez 35 unités d'anima à votre congrégation. Ok, puis on en a 5, donc 5 x 35, ok, d'accord. L'âme sans entrave a ouvert la voie de Zerès Mortis. En avant, soldats des congrégations. Montrez-nous le chemin sans entrave. Vous ne faites pas partie des pèlerins. Je regrette d'avoir douté de vous sans entrave. Vos alliés, vous êtes les bienvenus parmi les éclairés. Votre venue était annoncée dans les Saintes Écritures. Loués soient les fondateurs. Merci, anciens. Avec votre aide, nous jurons de chasser le geôlier de ces terres. Ok, bah super. Nous avons tous un devoir à accomplir. Nous avons réussi à convaincre les négociants éclairés de nous fournir des marchandises supplémentaires pour que le combat... Rendez visite à Vilo, l'attendant éclairé, pour voir ce qu'il nous propose. Ok. Les fers du passé restent lourds à porter. Bon, je ferai la transmo plus tard. Hein. C'est quoi ça? Minuscule stèle du vice. Ok. C'est un jouet. Mais niveau stuff, j'ai que ça par contre. Hein. J'ai rien récupéré en stuff jusque là. Bon, j'ai des quêtes à faire. Hein. Ah, un client potentiel. Juste, voilà, vendre un petit peu, réparer, vendre. Plaisir d'avoir pu vous aider. Pas grand chose, hein, mais bon, voilà. Du coup, ça ressemble à quoi? Ouais, c'est pas ouf comme... Je préfère ma fou, hein. Mais bon. J'ai pas la monture hein, qui permet de transmo. Non, elle doit coûter un peu cher, c'est pour ça que j'ai pas dû la prendre. C'est pas grave, quand je repasserai au Riboss ou dans une capitale, je le ferai. Bon, allons-y. On va commencer par celui de gauche. Oui. Sympa. Ah, je perds en score critique. Mais...
sympa. L'attaque des armées du geôlier n'a rien d'un hasard. Autrefois, l'un d'entre nous a cherché à s'approprier le savoir interdit des fondateurs. Et ce faisant, il a attiré sur nous leur colère tout en nous privant de la protection qu'ils nous accordaient. Jusque-là, il ne nous reste plus qu'à nous faire pardonner des offenses de notre frère. Prenez cet encens, rendez-vous dans le Velt et brûlez-le. Avec un peu de chance, cette offrande suffira à rentrer dans les bonnes grâces des fondateurs. En route. Votre avenir, oui. Mais bien sûr, cramer de l'encens. D'accord, mais c'est les mêmes poignées en fait. Enfin. Bon. Entre les attaques et les entreliges et votre présence parmi nous, nos stocks de nourriture sont au plus bas. Cela m'attriste d'en arriver là, mais dans l'urgence, nous allons devoir nous rabattre sur la faune et la flore locale pour assurer notre subsistance. C'est malheureux. Nous n'avons guère le choix. Excusez-moi. Je crois qu'il pleut dehors. C'est malheureux, mais nous n'avons guère le choix. À charge pour vous de partir en chasse afin de reconstituer nos réserves de nourriture. Récupérer 5 substituts protéinés, sur les raptoras, les cervidés, les lapins, les lupins du Grand Veld et des terres environnantes. Bonne chance dans vos aventures. Super. Tu crois vraiment que j'ai le temps d'aller à la chasse? Envoyer des gugus le faire, enfin je sais pas. Attends, avant de prendre. Il y a une quête là-bas. Je vais voir ce que c'est. Alrana, on vous croyait tous perdus depuis le temps. Vite, par ici. La voie d'Oribos est ouverte. Nous vivons en parfaite symbiose avec le destin, Aldaline. Ma place est ici. Et c'est Rana tout court, désormais. Rana? Où sont les autres? Que... Silence. Voici venir l'âme sans entrave. Bonjour mon ami, une expédition du cartel Al que nous pensions perdue a été dépêché il y a fort longtemps à la recherche de cet endroit. Je me suis donc aventuré en Zeref Mortis dans l'espoir de sauver ces éventuels survivants des dangers de l'antre qui m'ont précédé. Il m'aura fallu du temps, mais j'ai fini par retrouver l'une de mes vieilles amies. Hélas, elle refuse de rentrer en lieu sûr. Certains autres se laisseront peut-être convaincre. Pouvez-vous essayer de lui faire entendre raison? Parler aux éclairés du refuge. Vous auriez dû rentrer. À quoi bon rester dans cet horrible endroit? Dans ce sanctuaire regorgeant de splendeur et de miracles, tu veux dire? De danger, surtout. Il ne fallait pas troubler la quiétude de Zeres Mortis. Tu as raison. Mais qui sème le trouble se doit également de rétablir l'harmonie. Béni soit votre maison. Je ne suis pas ici pour vous divertir. Bon, ok. On va faire cette petite quête secondaire. Il y a plein de petites quêtes secondaires. Après tout... Maître des écuries. Je vous offre le privilège de mon assistance. Mince. Sur ce, à mes méditations. Souhaitez-vous discuter? D'accord. Allez en paix, cher condisciple. Filez à présent. Cette journée s'annonce sous les meilleurs auspices. Vous avez pris le temps d'observer les bouffons nidés. Un magnifique spécimen rôde sous la surface. Son immobilité et sa patience ne sont
D'ailleurs, pas sans rappeler Vombi. On peut même dire qu'ils se ressemblent étonnamment. Je crois qu'ils aimeraient voir ce gros bouffonidé de près. Nous pourrions peut-être attirer cette créature avec le miel que produisent les Vespoïdés de Zaris Mortis. Auriez-vous l'immobilité d'aller en chercher, récupérer 15 mesures de miel de 1 auprès de 1. Ok. Advienne que pourra. Qu'avez-vous appris aujourd'hui? Patience, patience. L'équipement que je mets à votre disposition, nous le devons aux bénédictions des fondateurs, mais aussi aux efforts conjoints de nombreux voyageurs. Chacun de nous se doit de préparer le terrain pour ceux qui viendront après nous. Et vous n'échapperez pas à cette règle. Récupérez un maximum de provisions au cours de vos aventures en Zaref Mortis et rapportez-moi tout. Ouvrez l'œil car elles sont parfois cachées en des lieux inaccessibles. De prime abord, votre contribution me permettra d'équilibrer d'équiper les aventuriers qui viendront frapper à notre porte à l'avenir. Récupérer 10 provisions des éclairés. Bonne continuation. Souhaitez-vous discuter? Qu'avez-vous appris aujourd'hui? M'emmènerez-vous la prochaine fois? Ah d'accord, c'est un joueur. Je me disais aussi. Echo, d'accord, ok. Bestiole de niveau 1. Par contre, que c'est chelou qu'on puisse marcher sur l'eau ici. Asseyez-vous et communiez en silence. Bon, ok, ça de toute façon c'est de la quête secondaire, en vrai on pourrait les faire plus tard. On va focus la campagne, voilà. C'est juste histoire de découvrir un petit peu l'environnement dans lequel on est. Et visiblement, donc, et ben, l'expédition qui est ici semble pas vouloir rentrer chez elle. Ils sont très heureux ici, malgré que là, bon, bah, il y a le geôlier qui a débarqué, mais en soi, ils étaient pas malheureux ici et ils veulent pas rentrer. Donc, let's go, hein. Quelles sont les nouvelles? Ouh. Ouais. Ouais, ça me fait chier de perdre en score critique, hein. Le polyvalence, c'est bien. Mais le score critique, c'est bien aussi, hein. Ça m'emmerde un peu. Mais bon. C'est tout, hein. Faut que j'augmente aussi mon e-level. Puis surtout, ben, plus d'endurance, je peux pas m'en passer. Hein. L'endurance, c'est ma vie, donc... quand on me propose un objet avec plus d'endurance, forcément, je le mets. Hein. Les armées du geôlier contrôlent une bonne partie de Zereth Mortis, mais d'autres menaces guettent. J'ai envoyé des éclaireurs en reconnaissance dans les environs afin de repérer d'éventuels dangers. Allez les interroger, demandez-leur de me faire un rapport, ensuite revenez me voir. Chacun d'entre nous porte sa croix.
Alors attendez, que je résume. On va peut-être commencer par le 3, l'encens brûlé. D'accord, ok. En fait, c'est dans toute cette zone-là. Quoi ? Ok, j'ai pas compris. Imprégné de lumière pendant 2 minutes. Super, ça sert à rien. Bon. Alors évidemment, il y a la faune locale. Puis ouais, il y a pas des petits mobs à la con. 45 000, 22 000, non mais. Vous n'avez pas des petites bestioles à 2000 points de vie? Ah, bon bah. Écoutez, s'il y a un autre joueur qui est dessus. D'accord, donc que dalle. Bon, j'avais vu ça. Je suis à combien? Je suis à 5 sur 8, il m'en reste 3. Après, je quitte la zone. Hop, attendez, je vais dézoomer un peu parce que je... J'étais un peu zoomé, c'était un peu... Repos de... C'est quoi, repos de la foi, c'est ça, ou repos du roi? J'ai mal lu. Ok. Va falloir que je cogne. Il
Non mais tire-toi, tire-toi. Voilà, c'est bien. Après ils sont agressifs mais en vrai c'est eux qui ont le moins de vie en vrai. Donc j'aurais peut-être plus me focus sur eux. Putain, ça va être chiant, c'est un rare drop leur truc de protéiner mes burnes. Allez, là, il me reste un truc d'encens à trouver, là. Ok, qu'est-ce qu'il me reste? Protéines, mais là, hop. Allez, et on va aller récupérer les rapports. Je sais pas pourquoi j'ai pas sa barre qui s'affiche. Je dois d'abord choisir une cible. Besoin de quelque chose. Oui, de ton rapport.